nouveau président depuis 40 ans. Et donc, je vais aussi présenter donc Michel Rocher et Christian Jeudy, qui sont les co-présidents. Voilà les vrais Raidor qui ont été concoctés comme d'habitude par Christian Marcier. Producers and my family who've given me their unconditional support. Estoy muy contenta por haber trabajado en este cortometraje. Espero que les guste. Muchas gracias. C'est comme ça là. Tout le monde ici ne connaît pas Gérard Camus, qui est le président de Cannes Cinéma, pour tous ceux qui viennent en novembre. Or ici, parmi vous, je crois qu'il y a la moitié qui ne vient pas en novembre. Comment ? Non, ce qui me réjouit, c'est que vous ayez pu voir les beaux films de la semaine de la critique. Et voilà, merci pour votre soutien, merci pour votre regard sur nos films. On est très fiers à chaque fois d'être aux côtés de la CST. Et puis voilà, le Raidor, ça nous tient particulièrement à cœur. Donc on est vraiment heureux. Merci. Merci beaucoup. Justement, je suis délégué général de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes une des plus importantes associations du secteur du cinéma français avec qui regroupe des techniciens de l'ensemble des secteurs, des gens qui font l'image. Alors, le Raidor du court-métrage est attribué à Cuerdas, Destibalis, Uresola, Sola, Guregna. Et avec Begonia, l'actrice. Voilà. C'est à vous deux. Oui. C'est à vous deux. Merci voilà. Beaucoup. Voilà, vous avez gagné, obtenu le Raidor 2022 des cheminots cinéphiles de France. Merci.
Eh bien, le Rider du long métrage est attribué à Dalva d'Emmanuel Nico. Ça c'est notre tapis rouge. J'ai pas préparé grand chose, mais en tout cas je voulais vous dire un immense merci, parce que je pense que c'est le plus beau prix que je pouvais toucher à Cannes. C'était ce Rider, parce que vous êtes des cheminots, mais vous êtes aussi un public avant tout. Et le fait que mon film vous ait plu, voilà, ça me touche infiniment. Et merci d'être passé aussi au-delà du sujet. Merci d'avoir aimé ce film qui est un sujet difficile et de l'avoir apprécié. Voilà, je suis carrément chaud de discuter avec vous tous en buvant des coups. Voilà, n'hésitez surtout pas à venir me voir. Je suis une voisine et qui nous a fait découvrir cette association formidable qui accueille si bien les gens et qui fait vivre le cinéma pour tout le monde. Quoi. Enfin, venir à Cannes dans ce cadre-là, c'est incroyable, c'est des rencontres, c'est une convivialité, c'est une façon de regarder le cinéma à la fois simple et exigeante. Moi, j'adore. J'étais loin d'imaginer qu'effectivement, les cheminots cinéphiles se rendaient en plus à Cannes en délégation pour participer à ce grand festival. Ce sont des passionnés. Je suis très impressionné de leur engagement, de l'investissement, à la fois comme bénévole et comme cinéphile. Être à ceux du rail, c'est pas venir que à Cannes, c'est aussi faire partie, un petit peu, de la SNCF, sachant que mon grand-père était chef de gare. Voilà. Je connais André depuis un certain nombre d'années, je suis un habitué. Vous allez rédiger peut-être deux, trois mots. Je vais faire un petit papier pour demain. Et en plus, il se trouve que j'avais fait une critique du film qui a été primé, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. J'avoue qu'avec la SNCF, rien ne me surprend. Donc je sais que dans les différentes écoles, il y a des associations cinéphiles. Quel que soit l'endroit, le cinéma est complètement universel, touche tout le monde, donc ça ne me surprend pas qu'il y ait une association cinéphile. Par contre, je suis toujours assez surpris du nombre. Vous êtes extrêmement nombreux dans cette association et une association très vivante et avec beaucoup de gens. Et ça fait vraiment plaisir. Alors oui, je connaissais l'association des cheminots cinéphiles, parce qu'en fait ma productrice française qui s'appelle Delphine Schmitt, qui vient de Tripod et qui a donc produit Nuestras Madres, je crois que c'est en 2019, avait reçu le prix des cheminots. D'accord. Et César Diaz était déjà venu recevoir le prix auprès de vous tous. Et il m'avait raconté que c'était un de ses plus beaux souvenirs des prix qu'il ait touchés. D'accord. Et moi aussi, je pense que ça restera un très très beau souvenir de Cannes, ce prix et ce contact avec les gens. Quel bonheur en fait de rencontrer les gens qui voient nos films. Viens boire l'apéro là. Les gens qui vont au festival de Cannes. Un coup de cœur, le repas. Non, les Ardennes. Ah, les filles, les Dardennes, oui. Moi, je préfère quand même celui-là. Alors, la fin du film, c'est très simple. Attends que je me souvienne. C'est très simple. La possibilité de rester encore demain. On vous rappelle.
cette édition de... Elle est extraordinaire. C'est la renaissance. La renaissance. Après deux ans de difficultés, de Covid, les gens ont soif de cinéma, ont soif de convivialité. Non, c'est vraiment une très belle édition. On est fiers de l'avoir réussi. Voilà. Merci.